Alors dites-moi, est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation hein? Oui, on est content de la mobilisation, on est aussi heureux que les élus aient répondu à l'appel. On est content que la population aussi ait pris conscience que le SMUR est très important pour la ville de Loudun. Et nous allons continuer à nous battre pour avoir toujours le SMUR 24h sur 24. Alors pour l'instant, l'ARS aurait fait un pas, hein. C'est quasiment acquis pour le SMUR de jour. C'est quasiment acquis, moi, c'est ce que vient de me dire le maire. Oui. Pourquoi c'est si important d'avoir un SMUR de nuit hein? Bien parce que on peut pas savoir l'accident ou le malaise peut arriver la nuit comme le jour. Et il est important d'être en sécurité 24 heures sur 24. Donc, on va dire que la nuit, il y a peut-être un peu moins de sorties SMUR, mais elles sont aussi importantes que le jour. Votre prénom et votre nom? Franck Texier, je suis représentant CGT à Loudun et je suis aide-soignant aux urgences. Et là, si on ne vous entend pas à l'ARS, c'est quoi la suite? Alors notre crainte, c'est d'affaiblir les urgences. Et on sait très bien que derrière, c'est une fermeture soit de nuit en premier temps, et ensuite c'est une cascade avec nos services de médecine ou autres, et l'hôpital de Loudun et par la suite va fermer. Quoi. Si l'ARS ne vous entend pas, une autre manifestation est d'ores et déjà prévue hein. Nous, c'est le seul outil pour nous faire entendre, et en effet, on fera même pire. C'est-à-dire? Une plus grosse manifestation. Où ça, à Poitiers? Éventuellement, devant l'ARS, ou si nous, sur Paris, le ministère, il y a plein de choses possibles encore. On va être très clair, les services de proximité à Loudun, au fur et à mesure, ils ont été un peu démantelés. Vous aviez une maternité, vous aviez plein de choses ici, là, et puis au final, il ne reste plus grand-chose. Hein. Alors depuis 2000, on nous a fermé la maternité, la chirurgie derrière, et puis il ne nous reste plus qu'une médecine et les urgences, et il faut qu'on ferme ça pour la sécurité.